Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour une nouvelle soirée de folie. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir, aussi nombreux, car comme vous pouvez le constater, le Baron est une nouvelle fois complet. Vous allez assister ce soir à un catch d'improvisation durant lequel quatre magnifiques duos d'improvisateurs vont s'affronter sur une ambiance électrique. Mais avant tout, je vais devoir m'assurer que vous êtes prêts pour l'aventure qui vous attend. Alors, Cholet, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Yeah! Alors, sans plus attendre, nous allons devoir accueillir un homme sans qui un catch n'est pas envisageable. Vous l'aurez compris, je vous parle de l'arbitre. Et je vais vous demander de huer comme il se doit notre arbitre de ce soir, Monsieur Yann Le Breton Gonnet. Accueillir notre premier duo de catcheurs. Alors, notre premier duo, accusé de machisme, d'artistes parfois limites, hypocrites, sans égo, ils reviennent gonflés à bloc. Ce sont bien évidemment les Gypsy Queens, féministes jusqu'au bout des ongles, engagés en plus profond. Ils signent leur grand retour, mais vont-ils enflammer le dance floor? Alors, on peut enflammer vos cœurs, mesdames. Hola a todas, hola a todos, me llamo Ricardo. Me llamo Miguel. Aujourd'hui, nous allons vous faire une petite chanson pour... Ils sont de retour dans le 49, prêts pour un nouveau tour des Mauges. Remporté par le sprinter de l'équipe en 1996, 2008 et 2017. Son coéquipier a été sacré 16 fois meilleur frappeur de la Beauce. Ils sont piégés dans la fournaise. C'est au péril de leur vie qu'ils sauveront une grand-mère qui a perdu son chat. Ils seront toujours là pour les tirer de ces mauvais pas. Ils sont le sens du devoir incarné. Je vous prie d'accueillir ici les tout fous tout flammes. Merci! Et nous allons maintenant pouvoir commencer ce catch d'improvisation qui opposera les Gypsy Queens et les forçats de la route. La parole est à vous, monsieur l'arbitre. Public de Cholet, est-ce que tu es prêt ce soir? Oui! Le spectacle de ce soir est donc un catch et la qualité dépend aussi de toi car tu es responsable de tous les thèmes qui vont être joués. Si les thèmes sont mauvais, c'est que tu es mauvais public. Au baroud de Cholet, bien évidemment. Ce qui ne nous tue pas, nous rend moins forts. 5, 4, 3, 2, 1... Je suis en train d'écrire mon dernier polar, là. Tu peux être une excellente source d'inspiration, je te l'ai déjà dit plein de fois. Oh mon Dieu, oui. Tu es donc dépressif? Tu as 40, 53 ans? 53 ans. J'étais en Ukraine en avril 1986. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1986? Le 25 avril, strictement rien. Alors, le 26, boum! Et si on voyait ce fameux 26? Encore une nouvelle très belle journée en Union soviétique. Je vais fabriquer de l'électricité pour ma mère patrie. Les équipements sont parfaitement sains. Bip, 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 bip. Oh mon camarade, dis donc, tu as l'œil quand même. Nous aurions le temps de chanter, qu'en dis-tu? Mais bien sûr. Soyouz, Yevochich, Yevochich. Retour à la réalité.
Je m'en souviens très bien, maintenant que tu le rappelles. Et donc, t'as brûlé, hémiplégie, tout ça, tout ça. Et attends, tu as fini dans cet état à cause de l'explosion? Non, à cause de la radiation fumante. Parce qu'il a fallu inhaler le nuage pour qu'il n'atteigne pas les frontières françaises. Waouh, j'ai tout dans les poumons. Tu dois être imbattable en endurance. Complètement. D'ailleurs, on m'a fait creuser le transsibérien à la main. Et du coup, je penche un peu à droite. Vu l'origine des personnages, j'aimerais avoir un petit accent russe, s'il vous plaît. Mais un coquinou. Toi penché du côté droit. Aujourd'hui, moi normalement j'inspirais toujours film d'horreur, film d'action ou film de revival propagande ou SS. Je voudrais être héros d'un film d'amour. D'accord. Igor, veux-tu m'épouser? C'est tout exemple. Hein. Da, je te dirai da, je prendrai ce petit anneau. Et là! Il a dit là! Oh, mon cœur bat bistro, bistro, bistro. D'accord, j'accepte ta demande, et alors? Et alors, tu pourrais écrire un polar où le héros soviétique devient aussi un grand, grand lover. Un quoi? Un lover, un prince cosaque, par exemple. Ah! Qui chevauche la steppe avec sa bien-aimée sur la croupe de sa jument. 30 secondes pour conclure. Donc, je résume. Il y a du lousse, il y a des radiations, il y a une jument. Si, et j'ai chevauché ainsi sous de la steppe. J'ai l'image. Ma belle Ingra. Elle s'appelle Ingra. Ingra. Je l'embrasse langoureusement, je te montre. Ingra. Si on voyait cette scène au ralenti. Ingra. Tout en bleu en spoons. On s'amuse à jouer au rond-point comme ça. Ah oui, mais j'ai pas vu. Un manège où on tire la queue du Mickey ici. Oui, mais vous pouvez prendre, faire une prise de sang, vous verrez. 30 secondes pour conclure. Allez, circulez. Merci pour votre indulgence, madame. Cela me fait beaucoup de drame. Attention, Désormais, on va rouler tranquillement. Ah oui, tranquille, tranquille. Tranquille, comme il dit à Marcel. Vous m'avez pas dit où il fallait que je vous emmène. À Glasgow. Ah, bah ça tombe bien. Hein? J'adore cette ville. Ah, moi aussi. Mais par contre, j'aimerais arriver en entier, hein. Michel. Pas de problème. Michel, j'en permets terme. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va, alors? Ben, doucement. Doucement, oui. Michel! Non, ça c'est... Michel! Je m'arrête. Tu voulais faire caca. Merci. Sans toi, car avec moi, je suis coincé dans les toilettes. 5, 4, 3, 2, 1, approche. Hey, vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Ça presse. Ah, bah oui, mais moi j'ai envie, dépêche-toi. Oh, maman. C'est un pan là, moi je vois un pan. Léon!
C'était effectivement un bon. Vous allez me faire un reboot, si vous voulez. Pour vouloir s'auto-arbitrer, on se pénalise. Odoré. La semaine dernière, j'ai été chez mon boulanger. Oh non. Et tout à coup, il m'a vendu un pain trop cuit. Oh non. Un pain trop cuit. Et puis en sortant, j'ai croisé mon prof d'histoire. Quelle sale histoire d'ailleurs. Quel prof d'histoire. Oui. Et après, tu as... Messieurs, nous sommes repartis pour la deuxième période. Est-ce que vous êtes toujours sous? C'est pas mal, c'est pas mal. Alors accueillons sans plus attendre tous nos lions, le catcheur, ainsi que monsieur l'arbitre. Allez, allez, on applaudit plus fort que ça. Monsieur l'arbitre, la parole est de nouveau à vous. J'ai vu un chien passer tout à l'heure et il a essayé de me uriner dessus. C'est à vous le Yorkshire. Bah, ouais. Oh, comme ça, touffu, qui fait ouf ouf. Un truc qui ressemble à rien, quoi. Oui. Ouais, c'est pas le mien, c'est celui de mon ex-femme. Ok. Il est dans l'arbre. Il faudra peut-être un pompier, non? C'est bien. Je suis le pompier. Nous allons tous aller chercher le petit chat dans l'arbre. Oh, j'y vais. Allez. La descente s'est faite assez rapidement, je peux bien le dire. Sauf que c'est pas le bon arbre, c'est pas le bon chien. Le gars, il est là. Bien vu. Ah, les peluches d'aujourd'hui. Ah, attends, il prend la place. Mon Dieu, quel petit chat. Il est plus gros que moi. On voit que la salle d'arbre est passée par là, parce que déjà il nous ramène pas le bon chien, maintenant il va nous chercher un chat. Bon, où est passé ce chien? Mais je vous jure que ce chien m'a pissé dessus, je l'ai jeté dans l'arbre. Il faudrait bien revoir la scène. Attends, j'ai pas vu pipi. J'ai pas vu pipi. Le jeu des chiens, c'est un sport national en Écosse, vous savez. On jette des troncs, on jette des chiens. Justement, si on allait en Écosse pour assister à une de ces compétitions, merci. C'était mon bignou. McFlurry, t'es prêt? Allez, on est parti. Allez. Un. Ah, ça c'est bien. Chacun tient. Ah, merde. Attends. Bon. Attends. Mais c'est un cure-dent. La taille du cure-dent. Je vous rappelle que nous sommes en Écosse. J'aimerais avoir l'accent qui va avec. Merci. Oh, what the fuck? Ah, wait. I'm getting a fine on your version of the record. What are you doing? Non. Nothing. Oh, I don't need the frontier. Sans accent, merci. On nous avait dit qu'il fallait jeter les chiens aussi, non?
Chien, chien. Patty, Patty. Regarde, regarde, regarde. Vas-y, vas-y, essaye. Stationnement incongru dans la boulangerie. On a le droit de mettre les poneys, j'ai demandé avant. Le problème, c'est pas de les avoir devant, c'est de l'avoir dedans la boulangerie, le problème. Et puis, on va finir par refus de tempérer devant les forces de l'ordre, ça c'est juste pour mon petit plaisir personnel. Nous en tempérons, hein. 30 secondes pour conclure. Bon, ben vous faites quoi là tout à l'heure? Vous allez boire un coup? Allez, je me gueule, alors qu'on est toujours sobre comme une des moines. Eh ben justement, comme ça je vous reprendrai au retour, hein. Avec nous. Boire un petit coup à la maison. Oh ben c'est fini mon service, allez après on va aller boire un petit coup. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai. Allez, t'as à la santé du maréchal des logis. Allez, à la santé du maréchal. C'est
C'est vrai que ça fait bien longtemps que j'en ai pas vu des milliers. Un autre promis pour toi? Ah bah oui, ça me manque des... En parlant de ça... Ouais. Mireille, tu vas bien là-bas? Oui, je la vois, oui. Ah oui? J'ai décidé de la draguer. T'as des bons goûts. Elle a quel âge, dis-moi? Un peu plus que moi. Ah, un peu, peut-être. Et si on a assisté à ce plan en drague avec Mireille, jouerait Mireille. Mireille, Mireille, t'en fais pas. Mireille, je me suis préparé pour toi. Mireille, je veux te déclarer mon amour. Oh, Mireille! Parle-moi que je mets plus de temps à m'habiller comme déshabillé. Mireille, j'ai une dernière requête à te demander. Tire, j'ai plus la force. Oh, qui suis? Il y en a une! Attendez pas, j'appelle l'infirmière! Putain, non, bon. Oh, j'aime bien! Appelle l'infirmière, après tout, elle est plus jeune que la moitié. J'aurais voulu que tu me dises le contraire! J'aurais voulu que tu me dises que tu pouvais le faire toi-même, par exemple, comme tu l'avais là! Eh ben écoute, je vais le faire moi-même. On va venir ta chambre. Mireille! Après tout, c'est jamais. Attache-moi, bordel! Attache-moi! Non, c'est l'inverse. C'est vrai, tu m'as beaucoup moqué. C'est vrai. Je t'ai reconnu, c'était toi la boulangerie. Le petit Henri. L'émotion. Ah oui, l'émotion te prend. Non, c'est pas là. On peut se diriger vers la chambre, mon Henri. Allons-y. Allons-y. Tu me bloques, Henri. Dernier relais. Vous remerciez. Nanana. Eh oui, c'est bien. Oh oui. Oh non, merde. Tu te rends compte, mon petit Henri? À cette époque, j'avais déjà soulié ce gilet vache. Qu'est-ce que tu dis? Je disais, oui. À cette époque, oui. J'avais déjà un gilet vache. Ah oui. Ah bah oui. Mais après toutes ces années, mais tu me bloques. Je suggère qu'on allume la télé. 30 secondes pour conclure. Oh. Oh, mais qu'est-ce que... Mais oui, mais dis donc. Mais non, mais j'avais oublié pourquoi on était dans cette chambre. C'était pour des raisons. Pour des raisons de l'amour, tu te rappelles? Tu te rappelles, là, tout à l'heure, là? Oui, oh, tes yeux, tout ça. Quand je vois toute ma vie, là. Oh, merde. Oh. Si tu vois toute ma vie. Oui, je vois toute ma vie aussi. Je vois toute ta vie aussi. Dans tes yeux, dans ta barbe, Henri. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est notre grand âge. Quoi qu'il arrive, l'amour.